Remettre son ouvrage, 20 fois sur le métier, c'est un peu le quotidien de ce forgeron de Castanitch. Aujourd'hui, devant les visiteurs, il explique son travail. Voilà le morceau de départ, la section. Voilà ce qu'on arrive à faire. Et après quelques heures de forge, quelques centaines de coups de marteau, voilà à quoi on peut arriver. Nombreux sont les vacanciers qui découvrent pour la première fois cet art. Façonner un objet unique où chaque geste, chaque matériau compte, c'est ce que transmettent ces couteliers corses. C'est impressionnant de voir surtout les appareils anciens qui sont utilisés. C'est très sympa, même pour les enfants, c'est très bien. Il raplatit les cornes de bélier pour mettre après la... ce qui est après la lame, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans la corne de bélier. Pour les connaisseurs, le couteau est déjà un objet complexe qui ne se choisit pas au hasard. Elle est bien, elle est plongeante. Ouais. La corne est très belle. Les matériaux sont très beaux, ils sont très bien finis. On voit que c'est du beau travail, en fait. On voit qu'ils sont bien faits, ils sont faits avec amour. Par des gens passionnés. Une passion qui passe par la transmission d'un savoir-faire. Je crois que les gens, ils veulent des choses qui sont authentiques, qui traduisent véritablement une manière de faire, un savoir ancien, et nous sommes là pour. Et ce patrimoine devrait encore perdurer grâce à la formation de nouveaux couteliers. Je ne sais pas si vous avez une pierre japonaise à l'eau. C'est ce que j'ai. Thank you.